Hein? Nous sommes venus en Amérique, chacun son temps, chacun avec ses réalités. Mais Dieu a voulu à ce que Tokutana Awana États-Unis. Alors, pourquoi tout ça va nyamate? Partout il y a des gens, des hommes. Et Sengel va tout sangana, boyokana, pour organiser ce qu'on appelle une communauté. Avec des choses qui vous unissent, c'est-à-dire tout ce qui Congo n'a vu. Donc, qu'on se rencontre ici, qu'on fasse des choses en tant que communauté bien unie. Moi, par exemple, pour mon cas, je suis venu à Colorado. Ça vous arrive, vous tous. Là, tu vas voir au Nyangari. Oh, tu peux te dire, un frère, on a une adresse email. On a un numéro de téléphone. Amapatia, banandika vile vyote, ojo naona, tunataka tuorganize sisi wa Kongomani, tukao mkitu kimoja, ojo leo, kutezi kwa kifo, kutezi kwa ndoa, kutezi kwa kitu fulani, kwanza tanze tembeleana, nilifurahi sana, ilikuwa mu 2009, wakati nifuataka mimi. Nawapatia vitu vyangu vyote, je pense na mwema, mtu kunapaswa kwamba mtu alinifuata na mwekila wakati. Eseru nakuya, unatokea wani. Tunawa majina, tunawa tuika. Mubebe majina na ma email, na maenuma na telefon, banabeba. Banafaa kubinote. Kula waranza faa meeleksyon, waranza hita, je pense que batu bengi atuanze kujuku. Watasika baka natumia email, nasema president ni fulani. Komite ni fulani, bon. Hakuena mna kudiskute. Bitu bingo naenda mzuri, si tunasema ni bitu vya bure. Aeza biloko pamba, intereza te. C'est-à-dire, en Amérique, tout ça busy. Le grand problème en Amérique, bisognons, c'est tout ça busy. Bon, on est le réunion à l'élo. Tu viens d'aller à 15h, 14h, 16h, pour la nuit, tu entends. Tu comprends. Comme ça, on a un rendez-vous. Comme ça, c'est avec Mamsa, il faut habiller Mamsa, là, c'est changé, avant, aïe, aïe. Alors, on comprend tout. Ça, c'est un pays des gens qui sont occupés. Alors, la communauté congolaise marchait jusqu'au moment où. Bien, nous sommes là qui coyoka que bateau basé à la lissou souté. Bateau basé à qui coyoka la lissou souté. La communauté congolaise à Colorado est en gaieté, est à binoté, est à bateau musou. Alors, comme eux on dit que la communauté est à bisognoso, tous là qui n'a droit. Tout tout n'a bango, ma frère, ma soeur, ma papa. Pourquoi ils ne bougent pas la lissou souté? Mutuoneshe kuni nini mu unapigana? Amuta tuambia shi asema mu unakombana bure 0-0 hapana. Kama mu mtakubali, mimi marche ziti. Gana kondi mate, papa, 50, 60, 40, 30 dame. Fazo yo kanate, fazo funda, pona 0 dolari, pona pamba, jamais de la vie. C'est pourquoi il fallait tout tourner dans le monde. Ce qu'on a mis communauté, c'est un abisso. Et ça, c'est mon côté. Alors, on ne peut pas retourner dans le passé. Pourquoi? Nous avons évité. Quand on a dit qu'il y a des conflits dans le Bango, on a l'état du Bango. Mais erreur va ça là qui. C'est-à-dire, quand ils ont commencé à se battre, c'est-à-dire à cafouiller là-bas, il y a un groupe de gens qui ont dit non, des autres bandas entre Patrick Kaniki, Nabe et Abazo et Canal Soussouté. C'est deux individus. On va mélanger. On va mélanger. On va mélanger. Moi, je vais commencer à parler deux minutes Swahili, deux minutes Lingala Nangaba, Yabasango. On va mélanger tout. Nous tous, nous étions occupés. Oh, ils ont beaucoup de business. Un pays là où people are busy. On a vu des emails là-bas qui tombaient. Tchoua, 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 tchoua. On s'est demandé, qu'est-ce qui ne va pas? On nous a dit que, oh, problème, le grand problème dans la communauté, c'est le conflit entre Béa et Patrick Kali. Qui est Béa et Patrick? Béa, il fut président. Je ne sais pas, de 2009 à 2000. Ceux qui ont 2012, hein. Et puis, il a laissé à Patrick Kali qui. De 2000 combien jusqu'à 2000 combien? 2014. 2014. 2000, je ne sais pas, 12 jusqu'à 2014.
étranger. Oui, selon eux, le conflit est advenu comment? Parce que selon les sentiments de Patrick Kanigi, il avait jugé qu'il ne voulait plus continuer à être le président des Congolais. Il a démissionné pour des raisons personnelles. Moi, je ne sais pas si quelqu'un ici connaît pourquoi Patrick avait démissionné. Il avait donné ses raisons, hein, tout ça. Quand il a démissionné, c'est le moment où le désordre a commencé. C'est-à-dire, automatiquement, il y a eu comme deux groupes de gens qui se battaient. Automatiquement, il y a eu ce qu'on peut appeler les gens qui étaient en faveur de Patrick, les autres qui étaient en faveur des épargnes de Béa et les autres là. Ils ont commencé à se lancer des emails. Tous. Moi aussi, j'avais reçu ces emails-là. On a lu, on a vu que la confusion est entrée dans la communauté. Mais là, le grand problème est advenu comment? Quand, après une confusion, c'est tout à fait normal. Là où il y a des gens, il doit toujours y avoir des problèmes. Ça ne manque pas. Nous ne sommes pas des saints. Mais quand il y a un problème, non pas dans une maison, mais dans une chose que vous appelez communauté, c'est-à-dire quoi? C'est la chose publique. Communauté congolaise, c'est la communauté de tout le monde. Quand il y a un problème, même moi, je pouvais être là-bas, je ramasse le problème, je dis, Béana, Patrick, Bazaar, Canal, Soussouté, je suis congolais moi aussi, dit, qui peut me contredire? Allez, je prends l'histoire. Il faut remettre ça à la communauté. Benga communauté, ça prend du temps. Informez les gens. Mes chers amis, il y a une confusion. Toluka, un jour, là, on peut se rencontrer, nous tous, pour qu'on puisse parler. Parce qu'on voit qu'il y a comme deux tendances, les gens ne s'entendent plus. L'erreur qu'a faite d'autres frères, c'est-à-dire ils ont récupéré le conflit, je ne sais pas, de Béa et Patrick pour prendre maintenant le pouvoir de la communauté. Au lieu de rendre encore la communauté, ils se sont appropriés le pouvoir. C'est devenu l'histoire des clubs. Hein, c'est devenu comme l'histoire d'un groupe d'amis qui se connaissent là. La confusion a amené une suite de réunions. Il y a eu des réunions qui s'étaient organisées. Venez, on va parler. C'est dans ces réunions-là. Un jour, ils s'étaient réunis dans une bibliothèque quelque part, là, tout près d'ici. La réunion était tellement longue, compliquée. Vous savez, parfois, nous avons une tradition là-bas qu'on a héritée de nos pères. Les Congolais se réunissent, parlent trop pour ne jamais s'entendre. Contrairement aux autres peuples. Les autres peuples, quand ils se mettent autour d'une table, ils se réunissent pour trouver des solutions et arranger les choses. Ils étaient dans la bibliothèque. Je ne sais pas, de 14h jusqu'à 17h, on a fermé la bibliothèque. On les a même foutus dehors. Ils ont continué leur réunion sur la pelouse. C'est là où ils ont tiré comme conclusion qu'il devait y avoir 5 personnes du côté qui était favorable, je ne sais pas, à l'idéologie de Béa et 5 personnes qui sont contre, c'est-à-dire qui demandent à ce que la communauté doit être ouverte à tout le monde. Ils ont donné des noms. On n'était pas là, on ne savait pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai trouvé que je revenais du boulot. En sortant, j'ai ouvert mon téléphone. On m'a appelé, je ne sais pas, plus de 15 fois. 15 miss calls et 15 messages. Mac Tozan a posé un aéro vraiment. Mac, on a besoin de toi. Toi aussi, tu peux comme un aéro quelque part. Là-bas, tu es dans la réunion. Moi, je voyais 10 personnes. Tu es parmi les 5 là-bas. Oh. D'habitude, j'étais récalcitrant. J'ai dit, ah, des histoires de désordre. Moi, je n'aime pas. Puisque je connais Dieu. On se connaît. L'autre, il faut que Mac, on a ça, ma vie. Tu peux entrer là-bas avec une bonne idée pour arranger le problème. On va prendre bien ton nom. Bakabanda, tant que la combo n'a rien à nous. C'est pour ça que je voulais éviter. À un moment donné, les gens m'ont appelé. Non, Marc, soyons responsables. Si nous refusons tous, alors, qui va arranger ce problème? C'est dans cet état d'esprit que je suis allé. Il y avait le nom de Vie Alex. Mon nom était là. La sœur Bahati était là. Alfani et Prince. On a dit que c'est long. Puisque quand ils s'est lancé les emails là-bas, on intervenait. Les gens se rencontraient même à l'église. Et même s'ils n'écrivaient pas des emails, même à l'église là-bas, en train de parler, ils disaient « Non, moi je suis pour qu'il y ait comme ça, pour qu'il y ait ouverture. Les autres voulaient qu'il y ait fermeture. La communauté soit une histoire là-bas fermée. » On a vu que les gens qui étaient ouverts pour qu'on s'ouvre à tout le monde, c'est nous ici que vous voyez, les 5. Les autres là-bas, il y avait le nom de Félix Kalinda, Feu Papa Jean Mbakini, il y avait Monsieur Yvan Pongi, il y avait Albert Kouati. Son nom était là, et qui est encore le 5e? Félix Kalinda? Non,
Ibogo. Non, il y avait aussi 5 personnes du côté des gens qui voulaient c'est que eux soient les maîtres de la situation. C'est-à-dire c'est eux qui ont le devoir sacré tombé du ciel d'organiser la communauté congolaise. Bamsous vont toucher qu'on a l'État liberté. Nous on avait dit niet. Nous sommes aux États-Unis, ce n'est pas question d'être aux États-Unis seulement. Le droit de l'homme, c'est quoi? La communauté congolaise. Tout ça va congolais, vous savez congolais. Imaginez-vous si c'est moi, Marc, qui avait pris la chose, j'amène ça dans la maison. Vous n'allez pas me laisser en paix. Vous allez me suivre. Mais il y a d'autres qui allaient me commencer à en venir maintenant au coup. Pourquoi pas? Nous aussi, on ne va pas vous laisser traiter les choses seules. Amenez le problème autour d'une table. Appelons beaucoup de Congolais, des tendances confondues. Ceux qui parlent Swahili, Tchulouba, Lingala, Kikongo, Français, ils doivent savoir qu'est-ce qui ne va pas pour qu'on trouve une solution ensemble. C'était ça notre point de vue. Et monsieur avait dit, ok, la conclusion de la bibliothèque, on devait se rencontrer chez monsieur Yvon Pongi quelque part là-bas, à Parker. Hein? Un certain jour, nous sommes allés là-bas, la réunion devait commencer à 18h, on est arrivé là-bas. Nous, on était là, bien Alex n'était pas là. Nous autres, on était là, là-bas. Ati, nous sommes arrivés à la maison chez monsieur Yvon Pongi, on l'a trouvé seul chez lui. Il nous a accueillis très bien, il regardait à la montre. Le moment où la réunion devait commencer, les autres n'étaient pas venus, à part M. Yvon Pong qui passait chez lui. Il commençait à regarder sa montre. Non, il devait être déjà ici. Il fallait de monter, de descendre. Il devait être déjà ici. Et puis, on s'est conclu qu'il fallait commencer déjà à parler. Hein? On a commencé à parler. Parler de quoi? C'est la suite de ce qui s'était dit dans la bibliothèque. Moi, je n'étais pas là. Beaucoup de gens n'étaient pas là. La suite, c'est quoi? Prince connaît mieux ce qu'on devait se dire. C'est-à-dire, ouvrons maintenant la communauté pour que beaucoup de Congolais viennent et sachent de quoi il est question. C'est-à-dire, réorganisons les choses. Faisons le recensement des Congolais. Non pas tous les Congolais de Colorado, c'est impossible, mais les Congolais qui vont s'intéresser à la chose. Tu ne peux pas laisser un Congolais, tu es ici Congolais, mais bloc, on a vu l'angalingakangote, sorry, tu pars. Les Congolais qui vont voir qu'il y a un intérêt qu'ils soient partis de la chose. C'est le recensement là qu'on voulait faire. Malheureusement, M. Yvon Pongi a refusé. Hein? Non, pour ceux-là qui ont atteint la réunion, le prince était là, il dit, on avait parlé du recensement, papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a refusé tout. Et puis, leur loi qu'ils avaient écrite, c'est quoi? La bylaws là-bas. C'est comme une sorte de statut qui régit une association. Paraît-il, dans leur réunion de la bibliothèque là-bas, ils avaient dit, on doit encore chipoter ça. Hein? Changer de loi. Il y a des choses là qui sont fabriquées spécialement pour sauver les intérêts, soit d'un individu ou bien d'un petit groupe d'amis. Nous devons revoir ça et recommencer. Le papa, quand tu touches à le bylaws, il avait dit non, il ne faut pas toucher ici. Alors, on l'a regardé. Alors, pourquoi nous sommes chez toi? Non, parce que quand il y a conflit, nous avons remarqué que Béa et Patrick ne s'entendaient plus. C'est pour cela que nous avons voulu arranger le problème. Nous avons pris le problème pour essayer d'arranger. Je l'ai regardé. Moi, je l'ai posé la question. Vous, les qui? Ah, nous, vous, les qui? Qui vous a mandaté pour que si Patrick et Béa ne s'entendent pas, c'est-à-dire c'est seulement vous qui devez prendre la situation pour essayer d'arranger sans inviter les autres collègues de Colorado? Vous, les qui? Le papa est embarrassé, je trouve le prince de maman va être témoigner. Alors il voulait se faire. Je dis non, vous les qui? Ah, nous les. Ils avaient dit que les sages, les elders, tout ça. Si on regarde très bien, qui vous a mandaté? Dans notre communauté congolaise, on n'a jamais su qu'il y a des sages. Qui est sage et qui n'est pas sage? Hein? Nous savons qu'il y a des Congolais. Un problème, lancez le message que tous les Congolais viennent. Si c'est lui qui ne viendra pas, c'est son problème. Alors c'était une confusion, on n'est même pas allé trop loin avec ce papa-là. Alors, on était obligé de se séparer là-bas, en queue de poisson. Et il nous a laissé hein, au salon. Il est allé à l'étage, il est allé dans le basement là-bas. On ne peut pas s'entendre comme ça. J'ai dit, mais nous sommes chez toi, papa. Hein? Pourquoi tu dois nous fuir là? Viens, on doit parler ici. Non, moi je pense qu'on ne peut pas s'entendre ici. On s'est arrêté par là. On est rentré à la maison. Quand nous sommes rentrés là-bas, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ces histoires commencent à amener un grand désordre dans la communauté. Et nous tous, comme on était là-bas, 4 personnes, on a décidé d'abandonner ces histoires. Parce que ça va nous conduire nulle part. C'était ça notre décision.
On a dit, bon, laissons ces histoires. On ne s'entendra jamais. C'est vraiment rare de trouver les Congolais se mettre ensemble pour s'entendre. Lobby, Kuna, Koyoka, Ke, Bison de Togo, Mamabe. Parce que nous voulons la vérité. Hein? Donc, la justice. On va transformer Ke au prince, Mac, Omaba, Alpha. Ils vont créer des histoires. Tout ce qui est la Bango, communauté la Bango. On s'est décidé, bon, on va raisonner. Qu'on laisse ces histoires. Et puis, on sait encore, on a revu notre position. C'est notre droit. On a vu non. Nous, les Congolais, nous avons une habitude à se plaindre. On se plaindra trop. Mais ceux qui ont baigné les Congolais, toi, tu se plaindre. Toi, Fanda, toi, se prendre en charge. Les Congolais, va vous. Nous sommes ici. Hein. Les choses ne marchent pas dans la méthode congolaise. Si tu prends un microphone, tu commences à enregistrer, tu vas voir dans les maisons de Congolais, il n'y a que des plaintes. Mais ceux qui ont continué les Congolais en avant, donc, oh. Vous voulez seulement vous plaindre. Mais prenons-nous en charge. Hein? Donnons-nous rendez-vous quelque part. Organisons-nous pour changer les choses. Pour qu'on ait un kibakokima. Balingi kaka, mélodie à la plainte. On a dit non. Si nous laissons cette histoire, ce serait comme rendre mauvais service à la communauté congolaise. Qui viendra faire ça? Si ce n'est pas moi, si ce n'est pas toi, si ce n'est pas elle. C'est nous, c'est notre devoir. N'abandonnons pas cette histoire. Et d'ailleurs, nous ne leur avons pas donné le nom. Eux-mêmes ont pris le nom. C'est pour cela qu'on a encore décidé de s'impliquer davantage. Dans notre esprit, on croyait que les autres frères de l'autre côté pouvaient un peu revenir à la raison et un jour, on devait toujours se mettre ensemble. Mais heureusement, malheureusement, ils ont foncé avec leur idéologie séparatiste. On a entendu qu'ils avaient organisé une élection avec des candidats que nous ne connaissons pas. Il n'y avait pas de campagne, il n'y avait pas je ne sais quoi. Alors, on a entendu que quelque part, on ne sait même pas l'adresse, ils ont fait sortir un homme, un président de la communauté congolaise de Colorado, un certain monsieur Kerry Minou. On était étonnés. Hein? Nous, on attendait. Dans notre idéologie, on avait dit que le problème n'est pas encore fini. Même si les gens sont fâchés, un jour, nous sommes tous... Comme Mobutu disait, bana tata, moko, mama, moko. C'est la tempête, ça va passer. On se mettra toujours ensemble. Ceux qui leur donnent de mauvais conseils, peut-être ils changeront. On se mettra toujours un jour pour arranger le problème. Mais nos amis, en faisant leur élection, ils nous ont prouvé que Bako Changete, Bolela, Bomata, Bokita, ils ne vont rien changer. On a dit, pas de problème. Nous devons voir ce qu'il faut faire. Avant de vous donner notre idée, comment est-ce qu'on a continué pour arriver ici aujourd'hui, nous avions lancé une sorte d'idée. C'est nous, les sentinelles, qui avons décidé de demander au gouvernement. Parce que depuis qu'on a la communauté congolaise de Colorado, mes chers frères et sœurs, il n'y a jamais eu de rapport. Celui qui a déjà eu de rapport, qu'il mette son doigt en l'air. C'est-à-dire la communauté a reçu autant de fonds, ils ont dépensé autant de fonds, ils ont des partenaires, c'est monsieur tel, va sponsor la communauté, va tel. On n'a jamais su ces histoires-là. On a vu comment une communauté qui existe. On voit des activités. On venait prendre des femmes, des mamans là-bas, des gens dans des véhicules, courir pour le Congo, prendre pour Congo. Et on va jouer au match de football. Et on va aller tout ça. Nous, on a dit toutes ces histoires-là. Vous n'allez pas me dire qu'aux États-Unis d'Amérique, vous allez faire ces histoires là-bas. Rapidement, jamais de la vie. On voulait savoir. On a initié, on a dit, nous sommes des intellectuels. Entrons en contact avec le bureau du secrétaire d'État de Colorado qui est en charge des organismes. Ici, on lui a parlé, on a écrit des lettres. Ça, ce n'est pas un secret. Nous lui avons écrit pour demander. Il nous a posé des questions au téléphone, il nous a posé des questions par écrit. On s'est réunissait chaque fois, nous les sentinelles, on lui donne une réponse. On cherchait même des choses à lui dire qu'on ne trouvait pas. Hein? Il nous demandait des preuves là-bas, des factures, des récépissés, des carbone là-bas, hein? Qui montrent qu'il y avait des choses, il y a des transactions. Vous vous rendez compte qu'une communauté qui n'a pas ça. Alors les activités, on les faisait sur base de quoi? Sur base de quel fonds? Qui donnait ces fonds? Qui était le sponsor? Qui était le partenaire? Zéro. On a répondu à ces messieurs que c'est une communauté congolaise qui est tellement fermée. C'est congolaise de nom, mais en réalité, c'est une communauté tenue par un petit groupe de gens là-bas. Le monsieur a dit, ok,
Je ne sais pas si je vais me répondre. Je vais parler avec mon superviseur, vous aurez la réponse finale. La réponse est venue. Ils nous ont dit qu'il est tellement difficile de vous donner une réponse. Pourquoi? La communauté n'est pas dans les archives. Les activités de la communauté congolaise n'existent pas dans les archives. C'est ce qu'on appelle en anglais « in the record ». Alors, la route était coupée. On ne devait plus continuer avec cette histoire. C'est en ce moment-là encore qu'on a connu, on a compris que, ouais, on a raison. Toutes les communautés des étrangers ici aux États-Unis, si vous enquêtez, nous parlons avec des gens, moi je parle au Togolais, je parle au Congolais de Brazzaville, j'ai des amis et des amis dans la communauté congolaise de Brazzaville. Hein? Je parle aux Togolais, comme je dis. Ils ont des communautés, même des Ghanéens. Quand ils se rencontrent là, ils donnent des rapports chaque mois. Et chaque 6 mois, chaque année. Ils donnent même l'argent d'entrée dans la caisse, c'est autant. Nous avons un des partenaires, c'est l'église est venue nous voir pour nous proposer le partenariat dans cette affaire. Ils donnent tout, sauf notre communauté. Si tu commences à poser une question là-bas pour savoir de quoi il est question, ah, toi tu vas t'attirer le foot. Comment tu peux devenir président? Tu te dis que tu es le président des Congolais. Tu es dans le comité exécutif. Ce qui va tout n'y a moi question au fâché directement. Moi, je n'étais pas fatigué de poser des questions. Moi, j'ai commencé à poser des questions à BAC en 2009, si je ne me trompe pas. Un petit problème que je ne comprends pas, je l'écrivais. Ils vous ont pris mon email adresse. C'est eux, vous avez pris, vous m'avez écrit des bêtises là-bas. Alors moi, je pose des questions à BAC, je n'ai pas compris là-bas. Il fallait voir. Quand il te répond là-bas, c'est comme si tu le déranges. C'est comme si au moins il est suspect, yo, cacaté. Hein? Mais tu es président pour quoi? Tu es président pour répondre aux questions des gens. Un jour, il y avait élection au Congo, il a voulu introduire les histoires de Tshisekedi dans la communauté congolaise de Colorado. Hmm? Il a lancé un message là-bas, il a donné des numéros d'Obama, je ne sais pas, Maison Blanche, Congrès, tout ça. Prenez, téléphonez, faites pression, on a volé les élections de Tshisekedi, tout ça. Moi, j'ai lu. J'ai dit, bon, ça c'est sa façon de voir les choses. On ne dit pas que Tshisekedi n'a pas gagné. On ne dit pas que Joseph Kabila a gagné. Mais ça c'est la politique, je l'ai écrit, mon frère. Toi tu es président des Congolais. Il ne faut pas amener la politique dans une histoire qu'on appelle communauté congolaise de Colorado. Ça c'est autre chose. Même les gens, il y a combien de gens d'abord dans la communauté congolaise? Il y a des gens qui ne parlent pas, mais ils sont fanatiques à Kabila. Même s'ils ne vous disent rien, ils sont là. Il y a quelqu'un là-bas, lui avec Tshisekedi, il mourra. Il est fanatique. Si vous commencez à donner des numéros pour qu'on supporte Tshisekedi, un autre donnera des numéros pour qu'on supporte Honoré Nguanda demain. Un autre aussi va donner des numéros pour qu'on supporte, je ne sais pas, Vital Kamerhe. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Vous allez politiser la communauté, ça ne sera plus une bonne communauté. Ce n'est pas une place indiquée pour faire la politique. Moi, j'écris un email à Béa. Alors il fallait voir des réponses qui pleuvaient là-bas. Il a pris mon email à Panza Kiango dans le club de ses amis là-bas, en tout en cachant mon nom. Hein? Il a caché mon nom, il disait, un frère nous a écrit. Hein? Mais au téléphone, je suis sûr qu'il disait à Samakwana, Makrochimba, celui qui a écrit. Mais dans les emails, il disait un frère, il a écrit. Les gens commençaient à m'insulter, Il m'a envoyé les insultes de ces gens-là. Quand il m'insulte, il forward. Il m'envoie les insultes là. J'ai lu, tu vois. Les gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'une communauté. Nous tous, nous avons nos choix politiques. Chacun, même dans ton fin fond, là, dans ton secret. Au Congo, quand tu regardes même la télévision, il y a des choses que tu aimes et des choses que tu n'aimes pas. Ça, c'est ton problème. Moi, je n'ai pas de secret. Moi, je fais beaucoup de vidéos. Il ne faut pas mentir. Mais je ne fais jamais de vidéos dans la communauté anglaise de Colorado. Je fais des vidéos avec mes amis, avec lesquels on discute de la politique. Ils sont à Washington, D.C. J'ai des clubs de gens là-bas qui me mettent même en contact là-bas, on discute. Sur YouTube, allez, vous allez me voir. Je parle de tout et de rien. Et ça prend des vies d'engagement. Mais je ne peux pas amener ces histoires là-bas dans la communauté anglaise de Colorado. Ça, c'est abîmer la communauté. C'est ce que moi je voulais qu'on puisse faire. Mais ils m'ont trouvé que Nganaza est mauvais. Makalinga Kabaoyote, Makasara Kabaoyote. Ça, vous ne raisonnez pas. Alors, on s'était bloqué côté gouvernement. On ne devait plus aller plus loin. Le gouvernement a répondu clairement, on ne voit rien. Voir rien, c'est-à-dire quoi? Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans la communauté congolaise de Coran. Il faut bien comprendre.
Puisque nous avons lu une lettre que Kéria a écrite au Moni. Vous allez colloquer tout ça, ma mibi. Hein? Gouvernement, le bureau, j'ai dit non, faut pas mentir. Vous n'avez pas de record, vous n'avez pas d'archives sur le gouvernement. C'est une communauté qui n'a même pas de papier qu'on appelle 501c3. C'est-à-dire, vous pouvez aussi demander de l'argent au gouvernement. La communauté congolaise de Colorado, ouvrez bien les oreilles. Depuis qu'on l'a créé, jusqu'au moment où BA a quitté, Patrick a pris, ça n'avait pas de 501c3. Ça n'existait pas. Si ça existait, moi je ne sais pas, c'est une histoire rapide. Officiellement, ça n'existait pas. C'est-à-dire, toutes les activités qu'on faisait, il y a quelqu'un d'autre qui demandait les sponsors, qui demandait les accords, même qui demandait ce qu'on pouvait faire les activités. L'argent allait où? Ça venait de qui? Hein? Puisque si vous avez le 501c3, c'est vous, vous demandez, le gouvernement vous donne, vous faites les activités, vous donnez le rapport, le gouvernement prend les rapports là-bas. Puisque les taxes, vous n'allez pas payer les taxes avec le 501c3. Mais le gouvernement doit savoir toutes sortes d'activités que vous faites. Mais la communauté congolaise de Colorado faisait des activités. Des blanches là-bas qui venaient, on a vu même des photos là-bas. Vous n'allez pas nous dire une américaine. Hein, qui fait des démarches là-bas, zéro gratuitement. Vous n'allez pas nous convaincre, nous sommes des bêtes quand même. Alors, qui les invitait? Qui les appelait? Qui était le sponsor? C'est-à-dire quoi? On a fini par comprendre quoi? Ouvrez bien les oreilles, mes frères et sœurs. Notre communauté existait sous tutelle. C'est-à-dire, bah, tiens, qu'il y a un local à moana. Hein? C'est la communauté qui a un combo, mais local à moana. Mais il y a des gens qui sont au-dessus de la communauté, dans un salon d'activité, dans l'organisme Moussousou, on vous utilise vous pour vous appeler. Allons quelque part, on va courir pour le Congo. Allons quelque part, les mamans, on va faire ça. Vous allez là-bas, mais ce n'est pas vous qui faites ça. C'est quelqu'un qui fait ça en son nom ou bien au nom d'une autre organisation, mais elle vous utilise vous pour aller jouer, danser, courir, tout ça. Ce qu'on lui donne là-bas, il met dans sa poche. Il va dans sa peau. Pourquoi vous n'existez pas juridiquement aux yeux du gouvernement américain? Hein? Pourquoi vous n'avez pas de 501c3? Mais ce qui est un peu grave, dans la même communauté, le comité exécutif des gens qui dirigeaient la communauté congolaise de Colorado, il y a des gens qui ont cherché des 501c3 pour leur propre business. Hmm? Ils ont trouvé, ils ont eu des 501c3. Ils sont à la tête de la communauté congolaise de Colorado, même dans le conseil exécutif. Au lieu de chercher le 501c3 pour la chose que vous appelez communauté Nabiso, ils n'ont pas fait ça. Ils ont cherché des 501c3 privés. Alors, vous allez dire, nous sommes pas congolais, on est congolais, nous sommes. Quand on essaie de vous demander là-bas, vous vous fâchez, au lieu de vous maîtriser, ils avancent un peu loin. Babandi, qu'on traite à congolais, nous sommes pas rwandais. On me dit qu'il y a un peu de Rwanda, il y a un peu Funga kinywa, kangambanga na yo. Nous sommes en train de discuter. Nous sommes pas ici pour mentir. Hein? Pour des papas qui ont des femmes à la maison et des enfants, ils se rencontrent quelque part là-bas, pour une discussion là-bas, ils commencent à dire, ah, biso omoni, tu es bien. Patrick Kanikasi a suivi Rwandais Nyonso à Tina Club Naye. Les Rwandais, c'est qui? C'est vous qui parlez de Swahili. Ça, c'est pas la division, mes chers amis. Imaginez si un Swahili il dit Bangala Nyonso, basa va centrafricain. Hein? Dis, il faut connaître l'histoire du Congo. Le Congo a 450 langues. Le Congo est entouré par 9 pays différents. Va au Katanga là-bas. Le Katanga, c'est la Zambie. Hein? Et les Babemba comme ça, c'est le fleuve Lwapula seulement là-bas. C'est fini. Quand ils sont là-bas, c'est même culture. Ma tante est en Zambie, mon cousin est au Congo. C'est parce qu'il n'y a pas de guerre. On en parle, parce qu'il se calme. Le jour où il y aura la guerre, vous allez dire que les Katanga sont des Zambiens. Hein? Le jour où ça va chauffer là-bas, quelque part là-bas, chez les Centrafricains. Mais nous allons vous dire que tous les Bangala rentrent chez vous, allez en Centrafrique. Hein? Le Kivu là-bas, il y a le Burundi, il y a le Rwanda, hein? Quelque part la Tanzanie, tout ça. C'est pour cela avec cette guerre qui a tué beaucoup de Congolais. C'est la confusion qui nous fait aujourd'hui dire, ah, à Kivusien, on va rendre. À Kivusien, on va fulani.
tout ça. C'est la guerre. C'est pourquoi nous devons nous maîtriser quand nous voulons parler. Le Congo, c'est un pays multiculturel. Mais nous avons vu que nos frères avaient dérapé sur beaucoup de choses. On ne voulait pas les poursuivre parce qu'on a vu que, en tout cas, ça c'est le désordre. Mais dans la conclusion, dans tout ça, c'est quoi? On ne veut pas conclure tout de suite, mais notre idée, on s'est réunis, on a dit non. Tout ce qu'ils disent, ce sont des choses qui vont passer. C'est pour nous faire fâcher, nous piéger, pour qu'on puisse faire quelque chose de Bakolobalobiomoni. Nos frères ont continué avec ce que nous appelons la culture de la calomnie. Hein? Colorado a été infesté par la culture de la calomnie. Vous vous imaginez, Toyebani vient en Colorado. Peut-être on se rencontre à une fête. Hein? On peut se rencontrer, là il y a un événement, un deuil, tout ça. Mais personnellement, intimement, beaucoup de compagnies, Toyebani vient. Je ne peux pas me réveiller comme ça, par exemple, le frère Daniel. J'étais Daniel en Azamabé. J'ai vu seulement Daniel, je ne sais pas, une ou deux fois. Mais comment je dois m'acharner Daniel à Azamabé? Attention, il faut faire ceci. Faites attention à ces garçons-là. Ah, ma belle. On a eu cette philosophie à Colorado, la philosophie de la calomnie. Hein? Donc dire des mauvaises choses, salir la réputation des gens inutilement. On a compris que ces gens-là faisaient ça. Ces gens faisaient ça pourquoi? Pour séparer les Congolais. Ceux qui ont mené à côté de Nandakonayo. Ils faisaient cette campagne-là. Ils entrent dans une maison, ils commencent à parler de M. Tel. Attention, maman. Fais attention avec M. Tel. Azamabe. Azamabe. C'est ça leur campagne. Tout le monde était mabé à leurs yeux. Pourquoi ils disaient ça? On a compris par la suite, c'est pour que les Congolais se détestent, ne puissent jamais se mettre ensemble, se parler. Pobango va profiter, va conserver son système Nabango. Nous, on a dit non, ils vont échouer. Moi, ce qui m'a étonné, avant que je ne puisse conclure, je vais vous faire rire. Je suis venu ici au Colorado en 2000, je sais pas, fin 2000 ou 2009. Une famille m'a vu et dit, papa, tu es venu d'où? J'ai dit, moi j'étais dans l'Est des États-Unis. Hein. C'est là où j'étais. Moi j'étais à Connecticut, j'étais à Rhode Island, tout ça. Alors, je suis venu ici parce que mon cousin est venu, Alex Cassandre. Il a dit, ah, en tout cas, est-ce que tu ne peux pas venir nous visiter? Cette famille-là m'a invité pour un dîner dans leur maison. Juste allé là-bas, on était assis comme ça, la maman de la maison faisait de la bonne sauce là-bas. Un homme est entré, un visiteur avec son fils, un petit garçon. Il est entré dans la maison. En ce moment-là, on voulait préparer... Moi, je ne connaissais pas Colorado très bien. J'étais aussi étranger. Je n'avais qu'un mois. On voulait préparer la fête des Congolais quelque part. Hein. Fête d'indépendance. Cet homme est entré dans cette famille-là. C'était leur visiteur, leur ami de tous les jours. La maman de la maison a dit, hey, monsieur X, il doit y avoir... On aura une fête des Congolais quelque part. Il y a un endetté. Le monsieur a dit, ah, maman, il y a un Congolais qui a été bon, effacer un gars à je l'ai regardé. Monsieur, celui-ci, c'est un Congolais. Il a dit, non, je n'aime pas ces histoires. Maman, non. Il faut craindre les Congolais. Non, ce sont des problématiques. La maman de la maison a dit, papa X, hein? Même si toi, tu ne vas pas partir, ce qui est un endetté, tu n'as pas moi si na yo. Et ça fait que tu es Congolais. Toi, tu es banane, toi, sangana. Ah, ma femme, moi, je suis bien. Moi quand même je suis bien, ma femme est pire hein? Ma femme c'est l'homme qui ne veut jamais entendre parler des Congolais. Et d'ailleurs ma femme est entrée ici, en Amérique, elle n'est pas entrée comme Congolaise. Hein? Alors il faut que tu gagnes calme là. Je tourne la page, quand tu as eu des confusions, j'étais étonné, j'ai même parlé à Dabahati et tout ça. Le monsieur était occupé avec cette même femme là-bas, qui était entrée ici non pas comme une Congolaise, à aller chez le Congolais. Pour les mobiliser, pour faire ces affaires. Hmm? Je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est juste un Congolais. Hmm? Alors, la maman a dit, même si toi tu n'iras pas, mais il y a plus à moi sinayo, pas à Ken. Il a dit, moi quand même je suis bien. Ma femme, c'est celle-là qui est même pire, qui ne veut même pas entendre parler des histoires des Congolais. Et d'ailleurs, elle est venue aux États-Unis non pas comme une Congolaise. C'est-à-dire, ah, toi, bon ça. Je voulais dire quoi?
j'étais curieux et étonné, moi personnellement, de voir que par la suite, avec la confusion dans la communauté, c'est le même monsieur-là, avec cette même femme qui est entrée aux États-Unis, non pas comme une Congolaise. Ils se sont organisés maintenant pour aller dans des maisons de Congolais, pour salir la réputation des gens. Hein? Donc monter leur business là-bas pour aller maintenant s'approvisionner dans la communauté congolaise, tu vois. J'étais étonné, j'ai raconté à cette personne, mais ce monsieur disait qu'il n'aime pas les Congolais. Sa femme, c'est pire, n'en parlons même pas. Mais comment aujourd'hui ils ont monté une affaire privée là-bas? C'est eux maintenant qui avancent dans des maisons des gens. Et quand ils arrivent là-bas, ils ont aidé à planter ce qu'on appelle de la mauvaise graine dans le cœur des Congolais. Partout où le monsieur se rendait, c'est pour Pokéba ça va. Pokéba. C'est comme ça que la communauté, on s'est suspecté. La majorité, on avait confiance en personne. Et le terrain était resté libre pour qu'ils fassent leurs affaires. Nous, nous avons compris ça. Par la suite, on a dit non, si nous abandonnons cette histoire, Tokotike Labango, terrain vierge, ils vont continuer à faire le mal. On ne va pas continuer à se plaindre jusqu'à quand? Plaignons-nous, c'est notre droit, mais tenons-nous la main dans la main pour bloquer aux gens qui font le mal de stopper. C'est pour cela que nous avons appelé la réunion d'aujourd'hui pour qu'ensemble, nous puissions changer les choses. Et changer les choses comment? Nous avons vu que la conclusion sera facile. Mais nous avons été déçus de voir que les gens qu'on croyait qu'on allait se mettre ensemble, même un jour, tôt ou tard, nous ont prouvé qu'ils ne freinent pas. Parce que tu as besoin d'un retard. Ce qui est malade, les gens qui disent, un jour ils viendront, on va s'asseoir, mais ils ont monté leur comité. Ils ont leur président, ils visitent le bureau du gouvernement là-bas, ils sont en train de chercher, je ne sais pas ceci, cela, tout ça. Mais nous allons les attendre jusqu'à quand? Le vin est tiré. Ils ont prouvé que Balingui bisauté. Et comme l'Amérique, c'est un pays de droit, on ne va pas les combattre. Ils sont en train de faire leur chose. C'est leur droit de s'associer avec qui ils veulent et de se désassocier avec qui ils veulent. C'est aussi notre droit de nous associer avec qui nous voulons et de nous désassocier avec qui nous voulons. C'est pour cela, pendant notre combat, il y avait aussi des gens qui menaient aussi leur lutte de leur manière. Nous, on était d'abord les cinq. Notre mouvement a été spontané. On ne s'était pas mis comme ça pour créer les sentinelles, non. C'est eux-mêmes dans leur discussion, comme je vous ai dit, dans leur librairie, la bibliothèque, que parmi les 10 noms qu'on a donnés, il y a les 5 noms. Ce sont les 5 noms des gens. On s'appelait d'abord les justiciers quelque part là. Et puis on a changé, on avait dit, nous devons rester à la barrière. Que ceux qui veulent devenir des rois à Denver, Colorado, des boss, qu'ils entrent dans des buildings là-bas avec les costumes, nous serons les sentinelles à la barrière, à la porte. Mouvement, nous sommes suspects. On va commencer à dénoncer. Et notre mission, et on va continuer ça, malgré ce que nous voulons faire ici, nous n'allons plus laisser Colorado librement. Il faut tout miner terrain. Ne venez plus se plaindre. Si tu te plains, on te dit, yo salagani, pour toi empêcher Bango, toi empêcher Bango à suspect. Toi, tu n'as pas. Plains-toi, mais sois de concert avec des gens qui luttent pour éliminer le mal de la communauté congolaise de Colorado. Partout, on nous connaît. Demandez aux gens, quand vous parlez seulement Congolais, ah, les Congolais sont désordonnés. Les Congolais sont des désordonnés. Mais on est Congolais. Non pas parce qu'on l'a voulu. On n'est pas des Congolais sur papier. Nous sommes des Congolais dans le sang. Okoki Maté, qu'on nous insulte, qu'on nous insulte pas, faisons quelque chose pour changer. Vous êtes tous, vous entrez en contact avec les Blancs. Moi, je peux vous donner un petit exemple. J'ai des amis Blancs. Je parlais à des Français là-bas, on parlait du Congo. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ah, votre pays, on est allé visiter le Congo là-bas. Chaque fois qu'on va au Congo, on revient en France, on va encore au Congo deux fois, troisième fois, les choses ne font que changer. Hein? Ils m'ont dit ça. Hein? Comment? Ça change négativement. Les Congolais ne font que se plaindre. Le pouvoir de Mobutu n'était pas bien. Le pouvoir de Joseph Kabila, le petit, n'est pas bien. Alors, j'ai dit oui, c'est vrai, chez nous, en tout cas, il y a un problème de pouvoir.
Les deux Français, là, mes amis, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? 70 millions de Congolais. Hein? Vous vous plaignez. Kabila a combien de gens autour de lui? Même Mobutu, il avait combien de gens? Hein? Donnons même à Mobutu 1000 personnes. Donnons à Kabila même 5000 personnes qui l'entourent. 5000 personnes contre 70 millions de Congolais. Si vous vous décidez, c'est-à-dire Motona Motonanda qu'on a avec une pioche, c'est-à-dire burin, hein, span, donc je ne sais quoi tu prends, même les armes, tu dis pistol, formation, naked. Vous allez le faire partir. Ces histoires là-bas ne peuvent jamais arriver chez nous en France. Hein. Le monsieur m'a dit ça. Chez nous en France. Mais moi, personnellement, je vais tout faire là où le président sera, à Sala Meeting et tout. Je peux me le tuer moi-même dans mon compte privé pour libérer la France. Vous les Congolais, vous pleurez, vous êtes nombreux, dites, chassez le monsieur. Alors, j'ai voulu pleurer. Même ici à Denver. On doit pleurer jusqu'à quand? Combien de gens veulent nous prendre en otage? Ils sont nombreux de combien? Ils ne dépassent même pas 20. C'est pour ça que je vous dis, ne laissons pas le terrain de Colorado où n'importe qui peut se réveiller le matin comme ça et surtout pour le grand chef de Congolais. Vous faites vos élections là-bas, vous êtes au nombre de 50. Tu es le président de ces 50 personnes qui t'ont voté. Tu viens se promener chez nous. On n'est pas des ennemis. On peut se rencontrer, ma tangue Zalaka, mariage Zalaka, l'église Zalaka, ma festivité Zalaka. On se rencontre, oui. Mais tu viens dans nos histoires, non pas en tant que notre président. Même nous, quand nous irons chez vous, non pas en tant que des chefs de président, en tant que des Congolais simples. Il y a eu le deuil, vous avez vu vous-même. Ce qui tourne le oh, balobac. Le petit deuil, je ne sais pas, le grand deuil qui était ici. Il y avait un conflit, au deuil. Pourquoi la dame est morte? Le mari a appelé la nuit pour annoncer au pasteur. Tout ça, je ne sais pas comment ils ont eu l'information quelque part là-bas. Ils ont accouru, se présentaient comme les représentants des Congolais à Colorado. Mais si nous voulons suivre, la femme, quand elle était vivante, on ne voyait jamais parler à cette femme. Quand elle était malade, quand elle souffrait à l'hôpital, qui est allé la visiter? Ils ne sont pas partis visiter la femme qui est morte. Elle est morte comme ça. On a vu des présidents des Congolais donc sortir du néant comme ça, dans le président, il faut tout ça organiser. Donc, vous êtes le président des deuils. Ne faisons pas notre communauté seulement pour les deuils, dit. Non, ça c'est appeler les gens pour qu'ils puissent mourir. Non, nous ne voulons pas mourir. Faisons beaucoup de choses vivantes. Quand les choses, on est nous. Donc, faisons les choses pour amener la vie, la joie dans la communauté. Quand les deuils arrivent, on s'organise. Mais. Vous allez vous autoproclamer là-bas que vous êtes le président des Congolais seulement, automatiquement comme ça. Et ça crée encore des désordres. Il y a eu des gens qui se sont parlé au téléphone, de ceci, de cela. Alors vous voyez dans tout ça, c'est quoi? Nous oublions, nous les Congolais. Nous avons une mémoire courte. Tu bloques tes frères, tu ne veux pas te mettre avec eux. Mais il y a un événement là-bas, tu viens, même ceux qui ne t'ont pas voté, tu veux les représenter avec qui? C'est ce que nous voulons terminer à Colorado. Nous voulons bloquer ce mouvement. C'est-à-dire, tu fais tes choses dans un coin avec tes amis, tu es le président de ceux-là. Reste avec eux. Quand on se rencontre, c'est pour faire autre chose. Alors, je disais alors, on menait notre lutte d'un autre côté. Il y a nos amis aussi qui menaient leur lutte de leur façon. Ils nous ont appelés un jour pour nous dire, papa, on ne va plus reculer. Fonçons. Nous aussi, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Je ne sais pas si ça va vous plaire. On a dit, parlez-nous. Ils nous ont dit, bon. On a essayé aussi de notre façon. On a trouvé un papier. 501C3. Que la communauté congolaise n'a jamais eu depuis tout ça. Alors on a dit, pas de problème. Nous, on peut venir parler avec n'importe qui, se réunir avec n'importe qui. Alors, si vous avez trouvé cette histoire-là, vous êtes bien organisé de l'autre côté, pourquoi ne pas se mettre ensemble? Parce que, bon, ça continue. Toi, là, raté. Alors, la personne dont je vais parler, ils sont un groupe d'amis là-bas, des Congolais comme nous. Il y a M. Martin Kalanda qui est là. On lui laisse la parole, il veut vous parler, et puis on va conclure ensemble ce que nous voulons faire ensemble. M. Martin, the floor is yours. Ha ha ha!
Nazan parmi ba sentinelle. Je crois que papa Mike a développé il a presque parlé de tout et de rien. Il a dit ça dans commentaire, personnel nanga au niveau église batou sous qu'on a eu par mon cadre sous j'ai essayé na minute il m'a venu on va être sur ma téléphone frère non a déjà pas pour connaître la j'ai venu voir comment on a fait ça pour mon babou en tout cas problème qu'on a eu tout le problème à bosser pour ce qu'ils disent tout à quoi l'exemple de mener on a déjà na qui lui au fond je vais te couper car là ni maman gentil. En tout cas, il y a un signe qui est réveillé. Il fallait qu'il y ait un bon moment. Et ceux qui ont eu un problème, c'est pourquoi tout ça va se passer. Pour organiser la communauté, pour que les lobby et vous allez en avoir. Peut-être vous allez en avoir. Peut-être vous allez en avoir. En tout cas, ceux qui ont eu la communauté, vous allez organiser. Je crois que vous allez bien. En tout cas, vous allez en avoir. Merci beaucoup. Presque dans ma réunion est belle, autre bande au salon pour nous mettre la communauté ensemble après démission à Patrick. Parce que nous sommes bandes qui ont démission à Patrick. Bon, tout ça là qui est fort, Juana. En tout cas, et Simba qui n'a pas de explication. C'est une initiative pour tout comment, pour Sentinelle, pourquoi? Pour tout empêcher ma guignon qui ont existé dans la communauté congolaise. Une bonne partie de ma guignouana est aussi réussi. Tout le monde est déjà battu sous le bandit comme mauvais Colorado. C'est-à-dire que nous avons vu ce ça là, les gens en gros, les gens en et puis pour. Et qu'on s'arrête à la tête, on va continuer. Je pense. Dis-le, tu viens à la tête, Ticha. Ticha, c'est à l'objet, madame, nous sommes tous. Dans des salaki, petite réunion, la mission, on est au Koutanaki, en tout cas, à développer ma camion, surtout. Dans la mission, Bino, nous sommes au Bandi Boy. Dans des salaki, sérénie, je pense, Bino, vous allez avoir évangéliste. Il y a une réunion, oui. Vous allez avoir évangéliste à réunion, vous avez départ, il y a ma femme sous. En tout cas, merci beaucoup pour la Oyana Bino. Merci beaucoup. Ok. All right. We also like to welcome another Sentinels, you know. And she's going to focus most about on this women's side of it. Please, Mama Bahati, come forward. Je fais une coupe.
Ndenge Maki asi alobi, papa Alex asi alobi, Prince asi alobi, toza ba sentinelle. Mais na kati ya ki sentinelle wana, ndenge basi balobi to sali musala makasi. Prince a l'objet de qui nous y battons, mais nous sommes tous les gens qui nous battons. Nous sommes tous les gens qui nous battons. Eza na bandaku mususu okokota papa akokini mususu bako fongolele ndaku te bakolo bandingi nini uyoko yako tele vela biso to yebi yo yo yeko landa mwasi nanga otala soki papa Alexi soki lelo te ala taka bien epi okoyeba te ki aza papa soki atelemi na ndaku ya mutu bakolo baneni nini yeko landa mwasi nanga Orke azana mwasi na bana na bako. Me, soki mwasi azawana. Est-ce que bako benga nae? Bako benga nae te bako kanisa. Aler mususu mwasi nae, ler mususu mwana nae. Bako fongolele porte. Eloko nazo senga kaka ba mama. Bo telema, to kweisa ba papa. Na lingi, to kweisa ba papa. Po bo yebi, tozaka mtu wa makasi awa, soki ya telemi. Alobi batata botelema batelema mais biso nani moi c'est makasi azali na monite marte azawa na soki lelo a beti pou de fil ba papa boya baye basali makabona bango bo bino mongo bo moni ndenge a organiza ki ba organiza ki fete ya ba mama mais est-ce que biso to si to sali journée moko to bengi ba papa ba bi ba papa wa kolia Je suis un peu plus de temps. Papa Mbongi, na mawa, na soni, to mituna ki, to zaba nani. Eske, lokona to zaba refugie, atika li biso ndako eh, epe azoko tuna biso, nati ya bino wapi. Nde kestyo ya niboso atuna ki biso, to poti na porte, atuna biso, nati ya bino wapi. Donc ya moni biso ke, to zaba kwa pamba, nati ya bino wapi, boni kipo fanda wa. Awa te, boya, bolingina te aminoa. Eza ndaku no baba, biso to lingio fandi sa biso atali banda, na veranda, biso to mwazi. Epe atika li biso ndaku, atiki biso, pona pomona biso ke toza batu apama. Atika ki biso na ndaku amati ake. Biso to lobi koma, yako ye bisa biso atato salami. Atiki biso na ndaku na iya ake. Est-ce que na place wana so ki basi bazalaki mi bale misato ngai moko ne nazalaki est-ce que boko mona wana za malamu ya malamu te to tika bango nano na makamu na bango biso pe to tele na to sala wo ya biso si bitu basi to s'organiser moni ba malie bazana ekipe ya ba papa ba monyo so pe bazana na nini na komite me bazana ekipe na bango basala gani soki ata independence ezali ou bien baningi ba organiser kaka dance makobenga na balobi ba mama biso moko to sala to invite bato lelo bakubaya to sala likambo moko bato ba mona ba kopesa mbongo tokolo babango basala ya solo me biso toko ki ata biso pe kotia kesi na biso mokolo toza na besoin neti o ya ba ya le 8 mars toko ki kotinda bilamba ye to tongisi to lati to fete sina moko beso ki organizasyon ezati
And I think for those women that are here, I think we heard it, her point. She really encouraging women, you know, to join the group. You know, wamama unahitajika, wamama unahitajika kwa katika kikundi. Kwa sababu, if there's no woman, even they say in the house without woman is what? There's a proverb there. Kama nyumba ambayo haina mwanamke, hiyo sio nyumba ambayo inasimama kamili, si ndio? Yeah, lakini nyumba ambayo kuna mwanamke ndani, mgeni akifika kutakuwa mtu ataenda jikoni anamtarishia chakula kidogo. Kama nakuta mimi niko papa niko celibateri hapa na kuja hapa nicha kalanga mayai, utakuta mwanamke wataja hapo chakula. Mija ndo mija ya haraka haraka. Okay. Without further delay, I think today, I think everyone who is here in this room knows why we are here. So let's just go ahead and read, you know, a topic of today. You have heard teacher Mike spoke about how the Sentinel came to be, you know. We were chosen among of the people that the meeting that was held at the library. We were attend, but after a conclusion of a meeting, our mission was to gather people or to lead people through elections, you know, to record people. But at a certain point, the other five were not in a position to be taught, to unite together and come to find a solution. We did our best. We called them over the phone. We sent emails. There's a proof of all those things, but they did not want to come. We also did what? They invited us. We were almost five of us were there, but we only found one person. The four were not there. That means we were neglected. We are not creating discrimination. We are creating unity and peace community. We are creating peace community. Because since they discriminate us, saying that they are the Congolese, and in the court, okay, they're very Congolese. You understand? So, the Swahili speakers, those are not real Congolese. It comes to a point whereby some of the people are neglected in our society. People are neglected in our community. So, as five at the Sentinel, we came together, we reached even to the government offices. How can we unite all the people together? How can you, all the Congolese in Colorado, be as one? We try our best, you know, all the means that we could in order to reach everyone. But at a certain point, we're in the United States, the free country, free country of speech. Everyone has his own ways of creating, possibilities. Therefore, and today's meeting, we call for all of you over here so that we can come with a suitable solution to gather people in order to create one community. At this level, it came to exist that our Congolese communities here in Denver, Colorado, there are two communities. But within that, tuliangalia kwamba ni community gani ambayo tukawaitisha kwa meeting juu ya kuangalia ku create peace. Na tukua moja ni group gani ambayo kuna respond in our most meetings. Okay? So without further talk, I think we're going to also go ahead and introduce the other part of the community. And that's one of the community we think that it's very reliable, convincible, and ready to soil, to defend our community, to defend the Congolese in need. As we have seen, there's a problem that we had, the funeral that we had on last Saturday. You know, there was a problem for pictures posted on the website. Imagine someone first died today, just go to his house and ask a picture and then start posting on the website. You know, without knowing what happened.
you know. So those are the things that we can review ourselves, you know, revise those things. How come they reject us, but when there's a problem, they want what? To put us on the website. For what? For their self-benefit. So we are not looking into that. Our main objectives is all the Congolese coming together and supporting of each other. In time of needs, or any circumstance that can happen in here in Denver, Colorado, so that we can all be in one. You know, I know there's... ...continuer à faire que ça c'est votre problème. Bon, nous, Omar et Martin et les autres, on avait déjà compris le message. Bon, je vais vous dire d'abord de ce que j'ai été incriminé, à dire que non, Patrick Kanika a démissionné puisqu'il n'aime pas les Congolais. Ça, c'est faux. Patrick Kanika aime les Congolais. Le problème, c'était de changer les lois au sein de la communauté congolaise pour qu'on puisse avoir le 501c3. Et j'ai été combattu après une année, quand j'ai essayé un peu de pousser cette histoire-là des 501c3 au sein de la communauté, et personne ne voulait accepter cela. Il y avait des raisons pour lesquelles ils ont refusé. C'était puisque la plupart de ces gens qu'on appelle sages de la communauté congolaise, tout un chacun d'eux ont le 501c3. Tout le monde en a, donc au nom de leur femme. Et tout ce qu'ils faisaient, c'est lui qui a participé à n'importe quel bar. Même ma femme aussi avait participé à un des barbecues là. On a pris des photos et son image était non seulement... Ah non, son image n'était pas... Oh quoi? Ah, puisque c'était au nom de la communauté congolaise, mais son image, la photo là, avec les mamans courant avec des sacs comme ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 ans passés, la photo était dans une autre website, d'une autre personne, une institution privée. Alors, c'est comme ça qu'ils utilisaient ça, on nous utilisait, nous tous. On nous a combattus, j'étais fatigué, j'ai démissionné. Mais ce n'est pas que j'ai démissionné parce que je n'aimais pas les Congolais. Mais pendant la confusion, puisqu'ils voulaient savoir, le problème c'était de savoir s'il y a vraiment de faillite. Je leur ai dit, si je démissionne, qui va prendre la relève? Qui est ce sage-là? Quel est le nom de ce sage qui est ici? Puisque tout le monde est sage, tout le monde parle. J'ai dit, bon, ok, si je démissionne aujourd'hui, qui est ce Eldora qui va prendre le contrôle? Il n'y avait personne. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils avaient leur plan. Quand j'ai démissionné, ils avaient leur plan. Ils ont attendu à peu près 4 mois. Ils ont bousculé leur plan. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et je sais ce qui se passe là-bas. On n'a pas vraiment le temps. On n'avait pas le temps vraiment à les suivre. Donc on a progressé. Martin et moi et Omar, on a progressé de notre côté. Donc on a dû créer notre organisation, une communauté congolaise. Au nom de la communauté congolaise, on doit travailler pour les Congolais. Et on a eu tout le papier possible. Donc, il faut considérer ça comme étant une compagnie. On est en Amérique, on fait des histoires à l'américain. Malgré qu'on appelle ça la communauté congolaise, qui représente toute la communauté, il faut qu'il y ait quand même une hiérarchie. Donc, il faut qu'il y ait un président, un vice-président, un secrétaire. Mais on ne pouvait pas le faire pendant qu'on était dans la confusion. À appeler tout le monde à pouvoir créer cette histoire. On a fait ça d'une façon privée. Hein, beaucoup de gens se demandent comment Martin est devenu président. Patrick, où est-ce qu'il est? Non, je suis là. Malgré que Martin écrit dans mon travail tous ensemble avec Martin et avec Omar. Mais on doit aboutir à un plan jusqu'à ce qu'on peut remettre cette institution entre les mains des Congolais et laisser les Congolais gérer ça. Gérer cette histoire, la façon dont ils doivent le gérer. Donc, comme vous voyez là, il y a le quoi? Il y a une. Comme on dit, I have a dream. Tous en Denver, on va rester pour longtemps. Au train à Kaboy. Il faut tout penser, l'hôpital. Alors, si les femmes peuvent se réunir, tout solo, il y a un problème, il y a un bandage, quoi, pas tout déjà, peut-être soulever votre compagnie, moi, il y a clinique. Et pour permettre un peu d'engager 4 ou 5 personnes, ça va nous aider. Puis il faut tous à la vraiment street, ma camboya, tous sur la crème, aux oreilles. C'est crème, ou tu as une bande d'arbre qui prendra aux oreilles.
Alors c'est pourquoi je demande peut-être quelle est une maman que je peux approcher, peut-être la connexion n'a été aux yeux moins plus de 15 20 femmes. Donc alors moi, l'association a mis une ligne de solo pour pouvoir donner des rapports aux hommes plus tard. Alors c'est le moment de la femme et je vous remercie d'être là. Pour le business. Yes, please. Any other question? Yes. Ok, mais c'est moi, Moulisha a déjà enregistré le gouvernement. Ça, c'est bien vraiment. Quand la félicitation, comme vous l'avez dit, c'est vraiment le projet Zou. Là, pas vraiment un nouveau terrain. On est calme. Non, on est calme, c'est bien. Parce que comme il y a des coups, on va aller voir la nain, on va aller voir la nain. C'est bien. Vous savez où, après, on va aller voir la nain. Vous savez le Okay. Nafikiri kuna hapo na zamani watu walizungumzia zaidi sana kichamata walizungumzia jinsi meeting ilianza ama jinsi hiyo group ya wasantinele ilitokea. Waleza kuitisha nani wakongomani wote wakutane fasi moja. Si watu tulipokuja tukasema nani lengo ya ile meeting ilikuwa ni kuangalia kisi gani ya kuenda kufanya election na kuenda kuchukua president kwa mmoja mkolorado. Baadaye hapo kulikuwa hatukwenda kuelewana. Walikuwa wale ambao walikuwa nasimamia kikundi siku hiyo walikuwa hawakupenda election. Ube hawakupenda fanya registration ya watu ambao wapo Colorado. Juu kuweza kuamandate watu kufika siku ya election. Me ile siku ilionekana kama tunaweza kuelewana. Me après quelques jours tulienda kutana pamoja hawakukuja na wakakataa kusema kwamba hatuwezi kufanya registration na tuweze kufanya election. Baada hiyo sitoshi tuliwaitisha tena kupitia ma email tuwe pamoja tuungane tutafute ni kwa nini division iko ndani yetu katika community ya wakongomani hapa Colorado. Walikataa kuja kunani ku respond kwa message. Naelewa? Yaani tumefanya mbinu zote ya kuweza kuwaitisha tuwe pamoja tuelewa ni kwa nini. Me inaonekana ya kwamba lengo lao ni kwa naonekana kuitilize majina wa kongomani ambao kwa hapo Colorado mwa business zao. Na wakati tulione sisi wa Sentinel tulikuwa shwazina wale wote ambao walikuwa hiyo siku renyo tukasema hiyo inaonekana sio vizuri. Kwa nini unaweza tumia jina langu juu ya entere yako ama unatumia jina langu juu ya entere ya organization yako? Unaelewa? Tukaenda Bawande, hapakwenda kuingiza Baswahili. Haujamjibia. Haujajibia. Hata nimjibie. Hata amali anaelewa. Maliza kwanza utaongea. Utaongea sasa nijibie. Swali yako ni nzuri sana. Na kwa sababu nimechelewa, ndio kama sikuiongelea. Unauliza kwa nini? Kwa sababu wakati ile group ya kwanza ilikuwepo walikuwa na President Patrick na Vice President Kenny.
Président Patrick Abaomba, Pafaniche papier à 5163. Bakamweba, gauche, na droite. Akaomba, qui est la position Mouchang? Bakamweba, gauche, à droite. Akandika, lettre de démission. Bada, wandika, lettre de démission. Bon, déjà, on a plan, ya. C'est pourquoi Kundi Ngini, c'est-à-dire quoi, président Martin, na, Ngini. Ok, c'est le président Patrick. Ok, c'est un ami. Ok, c'est le président Patrick Kouambie. Tu as nini, on a démissionné. Le président Kouambie a démissionné parce que ça va vous. Il Kundi, il voit comme la ville, il n'a pas de famille. Le carama est là, il voit les mimes. Il n'a pas de banque. Il faut que je me dise que je suis un Foucault. Il n'a pas de papier. Le problème est le papier. Il n'a pas de boîte. Il y a un comité, mais il y a un patron qui est en fond. Il y a un fichier. Quand il y a un pari, il y a un ok. Il y a un peu de temps. 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 Il y a Patrick. Ote, wakasirika. Wakasema, wanaweka Rwanda un comité. Quoi problème je te pindi qui est tu passes ok pour la base quoi la passage tu as été magina tan la bombe quand même on 5 noms donc magina tan il y a quoi 10 mangari 10 à faire une élection pour l'élection mais il y a pas de bien dure magina 5 il est le chapeau il n'a joué n'a pas sentinelle groupe 1 wakati balansa kubalitisha mkutano ya kwanza kwangu tulonya nako kwangu ka proposer kufanya recensement makongole kwa mingi tufanya recensement kila mtu avote president ambayo anapenda baka kata baka sema Patrick ana droit ya kutisha assemblée générale huko marehemu alituacha. C'est ça, on va mourir, c'est ça, mais je suis marié, je dois tout faire pour mon bain. A quand même, vous m'avez. Nous l'avons guère, nous n'y quittons pas mourir, nous sommes tout. A quand même, vous m'avez. Dieu a nini, t'as osé la question, ma mère. Il nous pose la question. Nous avons quand même la bien. Nous avons battu le président démissionnaire. Le président démissionnaire a osé vous nommer vice-président. La mienne va vous dire. Quand on ok, quand il y a Patrick qui a l'écoute, Kumita, moi je suis sage, il y a quoi président démissionnaire ou bien quoi président en fonction? Quand il y a un combat. Après, pourquoi papa Féli, a canissonné, a sema, Omari, nous avons l'écoute, Takuja watu tisa, donc on nombre de neuf. Usiambie mtu hata mmoja. Ikuwa vile mnuficho. Nikamwambia, njoo kitu kiko na huwa Kongo. Juu kanibeba mnuficho, wengine wasikie. Donc ni secret gani, na mimi naogopa. Nikaita mimi group yangu. Kaambia ba Martin, Magola, Kanalisa, et voilà, 18h. Kuna kuja watu. Na mwe mkuje. Mwikale mapembeni. Il y a papa Alex. Il y a papa Alex. Il y a papa Prince. Il y a un coup de nyua, mon Dieu, il y a un coup de nyua. Il y a un coup de nyua. Il y a 18h. Il y a un coup de nyua 14h. Il y a un coup de nyua. Il y a un coup de nyua. Il y a ça, 14h, la mimi, il y a un coup de nyua. Il y a un coup de 18h. Il y a un coup de nyua. Quand tu as 18h, tu ne vas pas à Alex, tu ne vas pas à Prince. Alors que tu as un groupe indigné, tu ne peux pas faire. Déjà, ma grande ville, elle va vous frayer. Quand tu as un tongue à part, tu as mis à part. Tongue à chine, tu as un basement. Parce que tu as un tongue à chine. Ça va pas à Woga, on a joué peut-être le groupe Yang, tu as un tongue à chine. Barangé au terrain, tu as un mouise. Mais on est là, on est là, on est là. Oh, change à table. Nous avons fait un café, nous avons fait un café.
Kwanja kuongea kidogo grupu mzima ikafika. Nikasema okay, gisi grupu inafika pale sasa kusema kumbi tutaemaliza kila kitu hapa. Sione ubaya wewe mko na nani? Mko na tukao sema sasa Martin mbaya. Bora ni Empoli. Wewe Empoli wa watu huko wapi? Tuongee kila kitu hapa tumalize. Pale sasa kaleta idea. Akasema mimi naona mwache president mwenye kwa mwisho aendeshe assembly general. Kisha atasoma letter de démission yake mbele ya watu wote. Kama anaipenda atatoka. Kama anaikataa sasa ndio atarudia kuvoir president. Bakakata. Nikauliza question. Kumwa wote mko hapa papa kongi ni nani? Heureusement kwa mbele yangu. Kama ndio mimi salamu. Na furaha kukuona. Sasa unaweza kukumbuka ulikuwa unasimulia na mtu kwa telefoni. Akuuliza juu ya nini sasa mrendo fare nyoyo ndio mkuita wa watu, amkuita wa Prince, amkuita wa Alex, amkuita wa Mabati, amkuita le groupe et de mipatia. Akajibu atubajue. Unasikia? Kazi atubajue. It's America. President Patrice akamwambia okay, kama ni vile na mnyanga ya kuvua. Mimi ndio nilimpatia kuvua kusema mtu wake sio hata basi mwaka huyu wazee. Mista mwee Mungu na idee mingi. Akanyo bishana telefoni. Akatoka kata. Mule ndio. Oh, mimi sema vile ndio sifa nini? Kwa gisi bali toka. Compromiso sana matendo katana na wasatine. Kwa papa Pongo. Wasatine wakamfuata. Bakaenda naye kusundulia juu ya nini? Nafanya election. Alitafuta ni aimpose ba sentinelle. Donc il va faire ce programme yake et puis ala kuenea vote. Sasa kwa time is going. Unasikia kule tuko nenda kwa. Sasa ni kesi ya ruliza nduku pale. Nduku kesi yako iko simple. Ile mambo nasema sisi tulipima kubaita wale wa nduku kule tukale pamoja na kama mnarudia kwa emails. Kama natafuta bata print ma emails ile tulituma wale ba papa tunaongea nabo masikio na ile letter kwa walituma bana katara kuna ndugu na marafiki ambao wanabaki nyumbani na wanaweza pia kuwajulisha na tunaweza kuwatumia thank you so much for every one of you. Est-ce que vous avez notre est-ce que vous pouvez vous passer notre moi je vous donne la copie Bye bye, see you next time. In my program, Thank you, bye bye.